Have you ever felt? Are you listening? Damn. Coucou les filles, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul AliExpress un peu multimédia, vous savez, un peu coque de téléphone, voilà tout ça. Donc bah écoutez, la première des choses, c'est cette coque Ariel, la petite sirène. Donc voilà, avec un nœud rose. Bon là, par rapport à ce que j'avais vu sur l'annonce en fait, elle a l'œil de coupé un peu ici, donc du coup ça fait un gros œil au milieu, genre... Le troisième œil, eh ben moi je l'ai le troisième œil, voyez, c'est cool. Et là en fait vous voyez elle est toute tatouillagée, ça c'est des tatouillages, voilà. Et un bustier comme moi j'ai eu l'habitude de porter quand j'étais plus jeune. Et puis elle a des cheveux roses et vu que moi j'ai eu les cheveux roses aussi, courts et roses. Et puis bon ben là avec la manucure et tout et tout et tout, et j'ai adoré. Donc voilà, puis le collier qu'on voit pas très bien mais en fait c'est un gros cadenas. J'y kiffe. Donc, il n'y a pas de message subliminal. Hein. Il y a des étoiles, voilà. Il y a un bateau, il n'y a pas de bite. Voilà, quoi. Donc, c'est bien. Elle est piercingée aussi. Vous voyez, elle est piercingée, là. Mais bon. Du coup, j'ai bien aimé. Donc, c'est celle que j'ai actuellement sur mon téléphone. Et ensuite, eh ben, écoutez, je vais vous présenter... les coques que je me suis achetées récemment. Parce que vu que j'ai... Pour le coup, j'ai changé de téléphone et pour une fois, on peut acheter des coques pour ce téléphone. Genre d'habitude, j'ai toujours le téléphone où t'es le seul à pas pouvoir acheter de coque. Tu vois, c'est le seul modèle qui n'existe pas pour les coques. Et d'ailleurs, Sébastien, il a changé de téléphone à peu près en même moment que moi, mais cette andouille-là, il a pris la version SFR du mien, en fait, qui est un Samsung. Donc la version SFR, elle n'est faite qu'en France par SFR. C'est un peu un Samsung, mais version... c'est la marque SFR, quoi, du coup. Et donc, c'est le seul mec qui a le portable où il n'y a aucune coque qui est trouvable sur AliExpress, quoi. Tu vois. Genre, il faudrait trouver un dupe. Alors, du coup, il a pris une coque en magasin SFR, parce que du coup, eux, ils ont ce qui va avec le téléphone. Mais j'ai trop rigolé parce que je me suis dit « Eh, mais en fait, j'ai pas pensé que j'ai pas testé sur mes coques sur son téléphone. Peut-être ça marcherait. » Ah ouais, elle était génie. Puis la meuf, à 2h du matin, parce que là, il doit être 1h30 du matin ou 2h du matin, elle a des idées ingénieuses comme ça. Tu vois, le truc, vachement rien à foutre sur une vidéo de beauté, quoi. Donc, on va continuer, hein, parce que sinon, je vais encore parler pas de longtemps. Là, on a une coque violette avec un petit garçon. Il fait des grosses bulles. Et des petites bulles aussi. Et c'est marqué. Donc, le petit garçon, ça m'a fait penser à mon fils. Et dans la grosse bulle, de plein d'étoiles. Enfin, c'est un ciel étoilé. Et dans la grosse bulle, c'est marqué I love you to the moon and back. Ce qui veut dire en français, je t'aime jusqu'à la lune et en retour. Et ça m'a fait trop penser à ce que je disais. Donc ça, peut-être que vous le savez pas de moi, je l'ai peut-être jamais raconté. Donc voilà, dans certaines de mes vidéos, je vous livre un peu plus de moi-même. Quand j'étais petite, je vais pas pleurer, je pensais que l'Italie c'était très loin et que c'était au bout du monde. Et donc j'avais coutume, oh faut pas que je pleure, j'avais coutume de dire à ma mère: maman, je t'aime jusqu'à l'Italie. D'ailleurs c'est toujours le cas. Quand on est ensemble et que j'ai envie de lui dire à quel point elle compte pour moi, je lui dis toujours: maman, je t'aime jusqu'à l'Italie. Et du coup, quand j'ai été en âge de comprendre que l'Italie c'était juste à côté de la France, j'étais trop déçue. Parce que du coup, ça faisait genre des lustres que je lui disais: maman, je t'aime jusqu'à l'Italie pour lui prouver mon amour. Et qu'en fait, c'était complètement débile parce que c'était juste à côté de la France, alors que j'aurais dit: maman, je t'aime jusqu'à Tahiti. Eh ben là, ouais, ça aurait été au bout du monde, donc ça faisait beaucoup de kilomètres. Donc là, le fait que ça fasse peu de kilomètres, j'étais vachement déçue, en fait. Donc, voilà, enfin, juste la petite histoire. Donc ça, ça m'a rappelé ça, et du coup, je l'ai prise pour penser à mon fils et à ma mère, ça a fait la connexion un petit peu dans ma tête. Donc, moment émotion, tu vois, le truc, voilà, quoi. Et ma mère, si elle passe par là, ben maman, je t'aime jusqu'à l'Italie. Donc ensuite, j'ai pris Jasmine en version punk. Alors déjà, l'hôtel elle fume, j'espère que c'est une cigarette. Oui, oui, il y a le filtre. Hein. Ça aurait été un gros joint, c'était problématique. Je ne cautionne pas la drogue, donc j'ai pas fait gaffe, mais voilà, c'est une cigarette. Hein. Donc c'est bien. Et elle, elle a un rouge à lèvres de dingue. Franchement, j'adore. Je voudrais le même.
Et donc là, elle est tatouillagée aussi. Et c'est marqué Daddy, here, dans un cœur. Et voilà quoi. Et elle est piercingée aussi. Donc, j'ai bien aimé aussi. Ensuite, j'ai pris Marilyn Monroe. C'est Marilyn ça? Ouais. Tant que je me trompe pas, parce que l'air con quoi. Qui fait des bubules. Alors, j'ai été étonnée parce que franchement, elle est trop belle cette coque. Franchement, le bubblegum, il ressort vachement bien et j'ai trop aimé. Donc, pour celles qui s'intéressent, mon téléphone, c'est un Galaxy Samsung. Non, un Samsung Core Prime G360F. Le truc. Non, mais j'ai une bonne mémoire concernant ça. Ensuite, j'ai pris une coque Samsung comme ça. Il y en avait plein de couleurs, de plein de. En fait, son chéri, alors coucou à toi si tu passes par là, c'est The Mec qui claque tout le temps son écran d'iPhone. Donc le gars, il sait très bien qu'il faut qu'il prenne l'assurance, tu sais, bris de glace, je sais pas quoi, qui va avec le téléphone. Parce que systématiquement, il remplace son écran au moins 5 fois l'année. À chaque fois que j'y vais, je vois son écran, il est explosé. Donc je lui dis, bah, t'avais pas refait? Ben non, parce qu'en fait, j'ai re-recassé. Donc voilà, donc en fait là c'est tu mets ton téléphone, ici c'est un peu comment dire, ça s'ouvre et ça se referme doucement comme ça, et ensuite ça se clip comme ça dedans. Du coup, t'as encore une protection sur le devant. Donc là, mon pote, si t'arrives à me le broyer ton téléphone, je te parle plus jamais de ma vie, hein. Parce que là, je fais en sorte que tu le casses plus ton téléphone. Hein, voilà. Donc j'en ai pris un pommade douce. Je crois qu'elle veut le noir et son chéri il aura le bleu ou inversement. Mais dans tous les cas, j'en ai pris deux parce qu'ils ont le même téléphone tous les deux. Voilà. Donc ça, c'était pour les coques. Mais j'en attends d'autres hein, parce que j'en ai commandé. Elles étaient vraiment pas chères. Donc j'en ai commandé d'autres. Et puis j'ai commandé aussi ça. Donc ça, c'est un selfie stick. Voilà. Donc quand j'ai reçu ça, le gars avait dit sur l'annonce qu'il y avait la manette Bluetooth, qu'il n'y avait pas quand je l'ai reçu. De plus, quand je l'ai reçu, ici c'est cassé, vous le verrez, hein, je pense. Ici c'est cassé, du coup j'étais blasée, et du coup il me l'a remboursé. Voilà. Mais du coup, je suis obligée d'utiliser le retardataire, donc je vois pas trop l'intérêt. Mais ouais, à glisser dans son sac comme ça. Ouais, tu fais quoi? Ouais, je me filme, trop cool. Donc voilà, ouais, je suis déçue, mais bon, en même temps, il m'a été remboursé. Donc du coup, j'en ai voulu un autre. Je voulais noir, mais du coup, le gars, il m'a envoyé bleu. Bon, c'est tout, à la limite, c'est pas grave. Et tu branches ton téléphone. Alors celui-là, il est vachement moins loin que l'autre, qui est super plus long, quoi. Regarde-moi la différence. Alors là, t'as le bleu, là, t'as le noir. Et le bleu il s'arrête là, alors que le noir il continue encore et encore. Donc, ouais, ça dépend à quelle distance tu veux filmer ou quoi que ce soit. Donc, ouais, enfin, je m'en fous, c'est déjà pas mal. La distance, c'est déjà pas mal du bleu. Et du coup, tu le connectes. Et par contre, ça marche pas en vidéo, ça marche qu'en photo. Donc, t'as un petit bouton ici sur le manche. Et quand t'appuies, ça prend le selfie, quoi. Sauf que quand tu veux filmer, ça marche pas. Donc bon, c'est tout, je veux dire, à partir du moment où tu fais des selfies, c'est que des photos. Donc je filme rarement avec mon téléphone, à part quand je filme Hugo qui fait des bêtises en temps réel. Donc voilà. Maintenant,
Passons à un flop, hein, parce que voilà. C'est une protection en fait pour mon iPad. Et donc du coup, elle est censée être en 9H. Donc ça, c'est l'épaisseur l'épaisseur la plus épaisse. Oui, ma fille. Ah, t'as fait littéraire, hein. Mais dis donc, les synonymes. Non, mais l'épaisseur la plus... Tu trouveras le mot toi-même, hein. Et puis, c'est censé bien protéger ton écran pour pas qu'il casse, pour pas qu'il raye, pour pas que tout ça. Parce que moi, j'en avais acheté un genre pas cher et que j'avais déjà payé cher sur Amazon. Et c'était au moment où je ne connaissais pas AliExpress, mais en fait, il a fini arraché. Hugo y allait, mais avec en train. Donc, du coup, il m'a arraché tout le bordel. Donc, du coup, je voulais en prendre un qui était épais comme ce que j'avais acheté pour mon téléphone. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça. J'ai aussi acheté une protection ici pour mon téléphone à l'intérieur ici. Donc du coup, je vous mettrai aussi le lien parce que elle est épaisse, elle fait pas de bulles quand tu l'appliques et tu vois bien que ça va bien protéger et elle est en 9H aussi. Donc moi, vu que j'en suis ravie, peut-être que le vendeur il aura la même qualité pour votre téléphone. Donc je vous le mets quand même en barre d'infos. Et donc le truc c'est que bon alors t'as tout hein, pour nettoyer, pour appliquer tout ça, mais le truc c'est que ce qui est dommage. C'est que la grandeur, elle convient pas aux iPad 2, tu vois. C'est un iPad 5, 6 qui m'a envoyé cette andouille-là, alors que je l'avais bien précisé. Donc du coup, il m'a dit, n'ouvrez pas de litige, en fait, je vais vous envoyer ce qui correspond pour votre iPad 2, quoi. Donc je suis dans l'attente, et si toutefois je le reçois pas et que ça se passe mal, de toute façon, je me ferai rembourser. Donc voilà, bah, écoutez, c'était... Non, j'ai encore deux trucs à vous présenter. Donc, il va être un peu plus long. Alors, ça, c'est un élastique qui va autour du téléphone. Hein, et c'est phosphorescent. Tu le mets à la lumière, comme ça, tac, 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 tac. Et dans la nuit, tu retrouves ton téléphone. Genre, dans la nuit, le truc, à part si tu appuies dessus pour voir, il est luminescent, quoi. Enfin, je veux dire. Et là, en fait, tu le mets bien sur ta lampe de chevet avant de dormir. Et après, tu le retrouves, quoi. Donc, c'est super cool pour retrouver dans la nuit. Bon, après, c'est pas forcément ce qui correspond parfaitement à mon téléphone parce que il va falloir peut-être que je l'étende pour que ça corresponde bien. Mais sinon, voilà, quoi. Je pense que je me suis plantée de modèle. Mais il n'y avait pas de modèle écrit sur la description. Donc, je suis un peu dégoûtée. Mais sinon, c'est tout. Ensuite, j'ai pris un bras articulé comme ça pour... Je n'avais pas bien vu la hauteur, donc pour le Canon 700D, et en fait ça correspond à un truc minuscule par rapport à la taille du 700D, donc truc que je me servirai pas, dont je ne me servirai pas, pardon. Et puis là j'avais pris un trépied parce que bon là j'ai changé, j'en ai acheté un en brocante parce que celui que j'avais acheté, celui-ci sur AliExpress, bon, je vous mettrai quand même le lien. Il y a des défauts, par exemple là quand on veut refermer ça se referme pas, et ici la manette pour descendre en fait elle était là et elle a cassé pour remonter et descendre, voyez le, donc là je peux toujours le faire mais à la main en fait, et elle a cassé, donc c'était pas de super qualité, je vous mettrai quand même le lien au cas où, mais du coup je suis dégoûtée. Et du coup ça remplace ce que j'avais, enfin je l'avais acheté pour filmer les tutos sur mon bureau, en fait je mets le trépied sur mon bureau et je filme les bureaux, le tuto. Et du coup par rapport à la grosseur du 700D, bon ça aurait pu aller, mais ça fait que 25 cm je crois, alors que le mien il fait quand même le double. Donc ouais ça allait pas en fait par rapport à ce que j'avais acheté ça pour filmer le tuto quoi. Enfin, les tutos que je veux faire. Oh, je me perds. En même temps, il est tard. J'espère que vous me comprendrez, que ce ne sera pas grave. Donc voilà, j'avais acheté ça, et puis ça. Et puis en fait, ça, je mettrai certainement mon téléphone dessus. Je l'attacherai certainement à quelque chose. Et puis, je sais pas. J'ai un peu acheté ça pour rien. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'était mes trucs un peu électroniques, un peu, voilà quoi, high-tech. J'espère que ce haul vous aura plu dans tous les cas et puis que vous me laisserez des commentaires. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Bisous bisous, ciao. Are you listening?